l'ami, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et bien là, ce soir, les gars, j'ai pris la caméra en main. Nous sommes confrontés à un petit problème. Non, c'est Spooky, j'irai plutôt que c'est un gros problème ce soir quand même, hein. Alors, il faut savoir que Rantek adore les films d'horreur. Et là, en ce moment, il fait que de regarder plein de films d'horreur. En fait, c'est devenu une habitude, quoi. Et si je me trompe pas, en ce moment, attends, il y a Spooky, son film d'horreur préféré, je crois que c'est L'Exorcisme. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, depuis qu'il fait que regarder ce film d'horreur, je crois qu'il devient un peu fou, quoi. Non, pas qu'un peu, carrément fou, en fait. Et ouais, c'est clairement flippant. Ouais, ben ouais, t'as raison, depuis qu'il fait que de regarder ce film d'horreur, il se passe vraiment des trucs bizarres, alors, en fait, par rapport à Rantek. On peut dire qu'à chaque fois qu'il regarde ce film, il a un comportement inhabituel et on le reconnaît plus du tout, en fait. Et en plus, encore la dernière fois qu'il a regardé ce film, il est complètement devenu violent. Et en plus, il se mettait en colère sans raison. Et franchement, c'était trop bizarre, hein. Mais ouais, les gars, il se passe vraiment des choses très bizarres depuis qu'il regarde ce film d'horreur. Et en tout cas, là, c'est bien pour ça que ce soir, j'ai pris la caméra en main, au cas où il se passe quoi que ce soit. Comme ça, tout sera filmé, tout sera enregistré. Bon, maintenant, avant qu'on aille voir tout ce qui se passe au salon, on compte sur vous pour nous soutenir en mettant un maximum de pouces bleus en dessous de cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne YouTube pour beaucoup plus de vidéos. Alors maintenant que tout est prêt, je te propose qu'on aille faire un petit tour au salon pour aller rendre visite à Rantek, non? Ah bah ouais, très bonne idée, allez, allez les gars, direction le salon. On va voir ce que Rantek est en train de faire là. À mon avis, il est encore en train de regarder son film d'horreur là, bah, L'Exorcisme, c'est ça, non? Oui. Et alors là, attention, hein, prépare-toi, Yaspooky, hein, cette soirée s'annonce mouvementée, hein, ok? Ouais, d'ailleurs, va doucement, tranquille, hein, ok? Et bah bingo, j'en étais sûr, il regarde encore son film à L'Exorciste. Regarde, c'est moi où il est en train de dormir, là. Regarde ça. Ouais, attends, regardez, les gars. Il est complètement endormi sur le canapé. Il s'est complètement endormi sur son film d'horreur. Eh, t'avais raison, Simsuki. Regarde, il était encore en train de regarder ce film là, L'Exorcisme là. Ah ouais, oh là là, non mais c'est pas possible. Il a regardé au moins 10 fois encore ce film. C'est un truc de fou. Eh non mais là par contre on peut vraiment le voir qu'il est en train de dormir là. Regarde ça. What? Par contre c'est moi où il est en train de dormir la bouche ouverte et qu'il est en train de ronfler là. Oh, réveille. Je sais pas. Ouais, vas-y, réveille-le. Rantek, réveille-toi. Rantek, réveille-toi. Non mais c'est moi où il veut pas se réveiller là. Rantek, réveille-toi. Non mais il est... Ah non mais vous avez vu, il dort carrément profondément, il est impossible à réveiller. Et là, Yaspooky, je sais pas ce que t'en penses, mais vaut mieux le laisser dormir. Parce que franchement, là, on peut le dire, on est tranquille, quoi, hein. Et franchement, Yaspooky, je pense que t'as raison, parce que la dernière fois qu'il a regardé ce film, c'était complètement devenu dangereux, là. Eh, viens par ici. Par contre, c'est moi, il ronfle comme un tracteur, là. Askoum en parle, qui pue de la bouche, là. Franchement, là, ça sent le fromage de raclette. Par contre, là, j'ai trop envie de te réveiller. Allez, je le réveille. Rantek. Ça m'a surpris, ça. Regarde-le. Ça va? Attends. C'est une spooky. Je crois que ça recommence, là. Regarde ça. What? Arrête, empêche-le. Rantek, arrête, t'es en train de faire du mal là, calme-toi, Rantek. Oula, non mais vous avez bien vu là, Rantek il est complètement fou et j'ai bien fait d'allumer la caméra. Et là franchement c'est du sérieux, hein. Je pense que c'est que le début des problèmes là. Ah ouais, c'est fou qui t'a raison là, cette soirée s'annonce chaotique là. Franchement je sais pas comment on va faire pour s'en sortir là. Viens par là. Rantek, arrête ça tout de suite. Laisse-moi tranquille. Calme-toi, toi là. Mais qu'est-ce qui t'arrive là, Rantek? Il devient carrément violent avec nous. Rantek là, reviens à la raison, ça y est. Arrête un peu là. What? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il va dans ma chambre? Rantek, pourquoi tu vas dans ma chambre là? Qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi! Waouh! Regarde ce qu'il est en train de faire! Regarde, il y a Spooky! Oh non! Regarde ça, c'est Spooky! Franchement, je crois qu'on aurait pas dû le réveiller en fait, c'était une trop mauvaise idée là! Regarde ce qui se passe là, c'est terrifiant! Waouh! Du calme! Oh non, mais je pense qu'en fait on aurait jamais dû le laisser regarder L'Exorcisme! Attends, il y a Spooky! Prends la caméra! Attends! On va essayer un peu de le raisonner là! Rantek! Non!
pense qu'il va se faire mal là. Faut le relever là. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Non, là, c'est vérifiant, c'est sûr, franchement, faut quelque chose, là. Je sais vraiment pas quoi faire, là, au vu de la situation. Non, mais vous avez bien vu, il est carrément violent avec nous. Il est incontrôlable, là. Attends, vas-y, viens. Faudrait pas qu'il se blesse, hein. Vite. Hé, Roptek, reviens ici. Reviens par ici. Hé, attends, je pense que, je sais pas, faudrait qu'on lui ligote les mains ou je sais pas. Non, mais regardez. Hé, Roptek. Relève-toi là, franchement là, on sait pas du tout quoi faire, la situation est vraiment en train d'empirer. Attendez, je crois qu'il est parti au niveau de la salle de bain. Vite, venez. Faut qu'on aille checker là. Hé hey Roptek. Hé hey Roptek, ouvre-nous la porte là. Ouvre-nous la porte. Attends, mais la porte est fermée à clé. Y'a Spooky. Non, mais non. Oh là là, je crains le pire là. Hey, mais non, mais franchement, quand il s'enferme comme ça dans une pièce, c'est vraiment, mais vraiment pas bon signe, quoi. Y'a Spooky, t'as pas une solution? Hey, t'inquiète pas, c'est Spooky, je crois que j'ai une solution. Tu vois, c'est juste le petit verrou de la salle de bain. Ça veut dire qu'avec juste l'aide d'un petit ciseau ou d'un petit couteau, on pourrait juste ouvrir là, simplement la porte, tu vois. Allez, viens par ici. On doit forcément avoir ça dans les tiroirs. Allez, viens par là. Hey, attends. Un petit ciseau, vite. Vas-y, ouais. Voilà, regarde, j'ai trouvé. Hey, avec ça, on pourrait facilement ouvrir la porte. Hey, viens par là. Let's go, attends, vas-y, ouvre. Eh, hey, c'est Spooky, il faut que j'aille doucement et il faut surtout que je me concentre parce que sinon je vais pas y arriver. Eh, hey, regarde ça. Vas-y. Allez. Voilà, c'est bon. Eh, hey, c'est Spooky, j'ai réussi. La porte, on peut l'ouvrir maintenant. Vas-y. Allez, on rentre. 3, 2, 1. Roptek, non. Hé Roptek. Hé. Ah. Wow, non mais c'est super flippant, non mais vous avez vu, il a les yeux carrément ensanglantés. Hé, hey, Roptek, calme-toi. Hé hey. Non mais quoi, il prend sa douche vraiment tout habillé. Hé, du calme. Mais Roptek, attends, faut aller l'aider, non. Mais vous avez vu, non mais c'est pas croyable, il est complètement fou ou quoi ce type là. Mais oui, là c'est carrément terrifiant là. Hé, hey, j'y reviens pas là. Wow, non mais vous avez vu, il est complètement fou quoi là, Roptek. Mais oui là, mais qu'est-ce qui lui passe par la tête là? Franchement, je le reconnais plus là. Regarde ça. Sortez tout de suite. Oh non, mais... Calme-toi, Roptek. Sortez. J'étais obligée de fermer la porte, franchement ça devient incontrôlable. Eh non mais là, comme table là, sinon ça devient incontrôlable. Eh franchement, je sais pas comment est-ce qu'on va faire ce soir encore pour gérer cette situation calmement quoi. Eh ben ouais là, y'a Spooky, je crois que t'as bien raison hein. On a du mal à garder le contrôle sur la situation hein. Et d'ailleurs, ça me fait vraiment peur de le laisser tout seul dans cette pièce. Donc tu sais quoi, on va essayer de re-rentrer. Let's go. Attends, mais regarde, il est en train d'écrire quelque chose sur le miroir. Waouh. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train d'écrire là? Je sais pas, je crois que... Eh ben en fait, avec son sang, je crois qu'il essaye d'écrire quelque chose sur le miroir. Peut-être qu'il essaye de nous faire passer un message. Franchement, je sais pas ce qui lui passe par la tête, mais... Roptek, viens, calme-toi là. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Sortez. Non, écoute-moi là. Il faut que tu te calmes, il faut que t'arrêtes tes conneries là. Hey, wow. Mais il nous a carrément fermé la porte au nez ou c'est moi là? Et attends, c'est Spooky, toi tu sais pas du tout t'y prendre. Moi je vais y aller, je vais essayer de calmer et en espérant que ça fonctionne. Allez, j'y vais. 3, 2, 1, let's go. Roptek. Non, regarde le miroir, non, c'est beaucoup trop terrifiant. Bon, ok, j'y vais. Roptek. T'énerve pas. Je touche pas. Non, calme-toi. Et Roptek, je suis là pour t'aider. Non, calme-toi, je suis là pour t'aider, je suis pas là pour te juger ou quoi que ce soit, mais t'inquiète pas. Lis ce qui est écrit. Non, mais Roptek, moi je suis là pour t'aider. Lis ce qui est écrit. Je suis juste là pour t'aider, Roptek, s'il te plaît. Calme-toi, tu deviens incontrôlable. Si vous ne sortez pas de cette salle de bain tout de suite, c'est la mort qui vous attend. Non, Roptek, arrête, je te reconnais plus, Roptek, calme-toi. Sors de la pièce. Viens, sors. Eh, franchement. Non. Sortez de la maison. Non. Oui, recule, suis, recule. Non, c'est trop terrifiant. Oh là, je crois que ça commence à partir, mais vraiment très loin. Y'a Spooky, on fait genre qu'on sort de la maison. En fin de compte, on sort pas de la maison, on se cache quelque part dans la maison, ok? Hé, oh, hey, calme-toi, recule. Sortez. Roptek, calme-toi, t'inquiète pas, on va
sortir de la maison. Sortez de la maison tout de suite. Oui, attendez pas. Sim Spooky, Sim Spooky, il faut qu'on trouve une cachette. Vite. Mais... Eh, c'est bon, ça y est, c'est devenu trop incontrôlable. Sim Spooky, je te propose qu'on sorte directement de la maison avant qu'il se passe quelque chose de très très grave. Allez, viens, on y va. Mais ouais, je pense que t'as raison, y'a Spooky là. Vaut mieux pas broncher du tout parce que là, sinon ça va partir, mais vraiment loin là. Eh non, regarde. Sim Spooky, regarde, il y a quelque chose d'anormal là. Regarde, Robtek, regarde là. Hey, vite, je crois qu'il faut vite qu'on sorte de la maison parce que là, ça commence vraiment à être terrifiant. Vite, y'a Spooky, on sort. Oh là, non. Allez, on va se venir. Vite, y'a Spooky, on s'enfuit. Vite. Oh non, mais il nous a attendu carrément devant la porte. Y'a Spooky, vite, la pénétrer. Mais c'est carrément terrifiant, il s'est carrément téléporté. Il a un démon en lui, je crois. Par contre, faut vite qu'on sorte de cette maison. Vite. Ok, bon bah là, je crois, dans l'immédiat, on peut que sortir du côté du jardin. Allez, vite. Y'a Spooky, vite. Allez, on y va. Vas-y, allez, tu ouvres la porte. Allez, vas-y, vite. Oh, non mais là, franchement, c'est vraiment parti trop loin, là, tout ce qui s'est passé, là. Non mais on est carrément sorti en urgence au niveau du jardin. Oh là, et j'espère qu'il nous a pas suivis. En tout cas, je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là pour cette vidéo. Parce que là, franchement, c'était vraiment mais trop flippant, quoi. Eh ouais, franchement, c'est trop ce qui s'est passé ce soir, les gars. C'est carrément devenu incontrôlable. On a carrément dû sortir de la maison. Eh franchement, vaut mieux qu'on s'arrête là pour ce soir. C'est trop là. Mais ouais, Yaspooky, t'as raison. Bon, là, je pense qu'au jardin, on sera en sécurité. Eh, je compte sur vous, hein. Mettez-nous un maximum de likes en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour beaucoup plus de vidéos. Mais vous avez bien vu quand même, hein. C'était carrément incontrôlable. On n'a jamais vu Robtek aussi possédé, franchement. C'était vraiment, mais vraiment parti trop loin. Bon, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre là pour les prochains jours parce que franchement, je vous le dis pas, hein, c'est vraiment difficile à vivre, quoi. Hein. Bon, allez, je pense que c'est le moment de s'arrêter là pour cette vidéo. C'était moi-même et Yaspooky. Allez, ciao!